Ce dernier match, étape importante dans la vie, dans la carrière de Roger Coudert. Dernier match international. Je pense que le dernier match est une carrière importante pour tout le monde, pour tous les journalistes, mais aussi pour tous les joueurs. Mais avec ces différents prix que moi je le sais et que les joueurs ne le savent jamais. Quand c'est le dernier match, on ne leur dit pas. On le suppose, mais on ne le dit pas. Mais moi je le sais, il y a longtemps que je l'attends, je m'y suis préparé, je m'y fais, je me suis fait à cette idée. Je ne suis pas encore un ex-journaliste, je vais bientôt l'être, mais je reviendrai vous voir. Alors justement, vous allez revenir de temps en temps à Souillac, dans votre lot natal. Ah, Souillac, c'est autre chose. Une équipe qui se défend très bien, qui est en tête de sa poule, en deuxième division. Souillac, une grande équipe. Et il y a votre père aussi. Et il y a mon père qui a 95 ans, et qui est toujours à Souillac, et qui va m'écouter tout à l'heure sur Antenne 2, et il versera sa larme habituelle. Il me téléphonera pour me dire, je n'ai pas tout entendu, mais c'était très bien. Ouais, c'est mon père. Roger, vous étiez l'ambassadeur, vous êtes l'ambassadeur du rugby, et en conséquence aussi l'ambassadeur de la région, inéluctablement. Ce que je regrette, c'est d'être l'ambassadeur du rugby et de n'avoir jamais reçu les émoluments, parce que j'ai jamais été payé pour être ambassadeur du rugby. Non, en réalité, je suis l'ambassadeur du rugby, non. J'aime le rugby, je crois l'avoir servi dans la mesure de mes moyens, aider... Et ô combien par Pierre Abeladejo qui m'a apporté le côté technique indispensable que je ne possédais pas. Mais pour l'aimer, je pense que personne ne peut plus l'aimer que moi. Ou alors qu'il lève le doigt. Zézé, parce qu'on vous appelle Zézé. À Souillac, partout, à Mauvezin, on vous appelle Zézé. Oui, Zézé. Dernière... Je disais Rosé. Rosé Coudert. Comment t'appelles-tu? Rosé Coudert. On m'appelait Zézé. Voilà. Mais alors, une dernière fois, vous nous dites allez les petits. Mais je vais le dire deux fois. Je dis allez les petits, comme ça.